Thank you.
nous a donné ton identité. En toi, nous sommes appelés fils du Dieu vivant. Alléluia. Tout héritier avec toi, Seigneur. D'éternité en éternité, Seigneur. Tu seras célébré. Célébré. Le monde univers tout entier, Seigneur, te célèbre. Et glorifie ton Seigneur. Alléluia. Parmi les vivants sur la terre. Quand bien même partir de ce monde n'est pas un mal quand on s'est préparé. Mais que Dieu soit béni. Je voudrais ici saluer tous ceux qui viennent pour la première fois. Vous avez été invités ou vous êtes laissé conduire par l'Esprit de Dieu et pour bon, vous êtes là dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous pouvez nous faire un signe de la main pour vous aider vivement bénir par les bonnes. Toujours bénis. Vous êtes bienvenus parmi nous et nous sommes sûrs que nous passerons des très bons moments dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Dans la vie, ce matin, vous constatez que c'est lui pratiquement derrière. L'ancien Sarah n'est pas sur les prévilles. L'ancien Chorus n'est pas sur les prévilles. Le pasteur Meunier est toujours en train de récupérer. Amen. Vous savez que c'est ma femme, je préserve ma femme. Le ministère ne passe pas avant la vie conjugale. Vous comprenez cela? Donc je la préserve. Je dis, mon chéri, elle ne bosse pas encore. Je vais aller travailler. Alléluia. Amen. Mais dimanche prochain sera parmi nous. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la saison de Dieu? Voilà, la église, famille, Amen. Que Dieu soit béni. Donc c'est important que vous compreniez cela. Il y a beaucoup d'églises qui font passer l'église avant la famille. C'est une erreur. Dans le plan de Dieu, la famille passe avant l'église. Je ne parle pas de la relation personnelle avec Dieu. Il y a une différence entre la relation personnelle avec Dieu et l'église, ou les réunions d'église. Vous avez des gens du lundi jusqu'au dimanche qui sont à l'église et négligent leur vie familiale et après il en ressort des bandits plus tard. Parce que tout simplement, malheureusement, ils se sont entrés, je dirais, à la mauvaise école. Dieu en premier, ma relation personnelle. Ensuite, ma femme et mes enfants en second, et après le service vient en troisième lieu, c'est-à-dire le ministère. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que lorsqu'à la maison ça ne va pas, tu peux bien travailler ici. Est-ce que vous comprenez cela? Même si on est dans le domaine professionnel. Amen. Ces choses, je les apprises parce que je suis allé apprendre dans le milieu anglo-saxon. Mais dans le milieu de mon confort, d'abord, quand tu n'es pas à l'église tous les jours, tu n'aimes pas Dieu, t'aimes pas Dieu. C'est une erreur. Je ne veux pas dire que restons à la maison. Voilà pourquoi vous avez dû remarquer que nous n'avons pas assez de réunions ici. Nous avons des réunions les vendredis pour les temps de prière et les dimanches pour le culte en dehors des programmes spéciaux. Parce que la vie chrétienne, elle se vit d'abord à la maison. Et non, en étant tous les jours à l'église, c'est à la maison qu'on vit la vie chrétienne. C'est dans son lieu de travail qu'on vit la vie chrétienne. Amen. Et si vous allez chercher des informations pour être productif dans
vos différents milieux. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. God is good. Alléluia. Et son Seigneur. Et bien, ce matin, déjà la semaine dernière, on a passé des temps de jeûne et de prière par rapport à notre pays. Alléluia. Donc, il était question de prier pour la nation. Donc, c'est ce qui faisait que, depuis mercredi, donc vous avez été en jeûne, donc mercredi, jeudi, vendredi, et donc mercredi et jeudi, le travail s'est fait en distanciel, donc à travers la visioconférence, et ensuite, le vendredi, bon, ça se fait en présentiel. Alors aujourd'hui, nous allons achever donc ce programme donc sur la prière en faveur de la nation. Je voudrais ici dire à l'Église, dire une fois à l'Église, que la prière occupe une place importante dans notre relation entre Dieu et nous. C'est pourquoi le thème que je vais développer avec vous, je l'ai intitulé « La puissance de la prière ». Je vais tout simplement vous situer et ensuite nous allons prier. Amen. La puissance de la prière. Est-ce que nous pouvons répéter la puissance de la prière? La puissance de la prière. Il y a une puissance dans la prière. Il y a une force qui se dégage de la prière. Si tu connais la puissance qu'il y a dans la prière, le mot impossible, tu devras l'effacer de ton dictionnaire. Parce que tous ceux qui connaissent le secret de la prière, ouais, tu nous montres. Ne peut se dresser sur leur chemin. Si jamais la montagne osait se positionner devant toi, lorsque tu élèveras la voix au nom de Jésus, la montagne se déplacera. Parce que la prière relâche des forces, la prière relâche des puissances, la prière se positionne au nom de Dieu. Face aux obstacles sur ton chemin, la prière. Lorsque tu ne connais pas ce qu'est la prière, quand tu ne connais pas ce qu'est la force de la prière, tu ne vivras que dans, je dirais, plainte. Ta vie, comme ils disent, sera horror dans le sens, c'est-à-dire ennuyeuse. Alléluia. Puissance de la prière. Le diable connaît le secret qu'il y a dans la prière. Toi, l'enfant de Dieu, prie. C'est pourquoi il fait tout pour empêcher les enfants de Dieu. La puissance de la prière. Une église qui prie. Une famille qui prie. Un homme qui prie devient un élément qui fait bouger le surnaturel. Et... Alléluia. Amen. J'ai l'habitude de vous dire que si vous vous voyez comme des êtres, des simples êtres humains, vous êtes dans l'erreur. Jésus, déjà dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire que tu n'es plus de la création. Tu ne dépends plus de la création adamique. C'est pourquoi la prière dans la bouche d'un enfant de Dieu est dangereuse. Vous savez, il y a 2 sortes d'êtres humains que vous voyez sur la terre. Et quand à la fin du culte, on va sortir, il y a 2 types d'êtres humains. On a tous le même vêtement, parce que ça, c'est un vêtement. On a tous le même vêtement.
Mais à l'intérieur, c'est différent. Dis, c'est différent. C'est différent. Il y a de ceux qui sont encore attachés à Adam. Le premier Adam qui chuta au jardin d'Éden. Moi, je ne dépends plus d'Adam. Ah non. C'est pourquoi quand tu dis, il ne dit jamais que je suis un pécheur quand tu es en Christ. Lorsque quelqu'un est en Christ, il n'est plus pécheur. Les pécheurs sont ceux qui proviennent de l'ancien Adam, du premier Adam, dans le livre de Genèse, au chapitre 3, lorsqu'il chuta, ou qu'il chutait au jardin d'Éden. Mais la Bible dit que Christ, qui est le dernier Adam, en lui, toutes choses ont été faites, ont été récréées en Christ. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui a été récréé? L'esprit de l'homme a été, l'homme a été récréé. Donc, c'est que lorsque quelqu'un est en Christ, sa dimension spirituelle provient maintenant, en fait, du dernier Adam, salut de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus qui est esprit. Le premier Adam était de la terre, le dernier Adam, lui, il est esprit. Yes. Alléluia. Amen. Ce qui rend une prière efficace, il est important de connaître aussi ton identité, ce que tu es. Yes. Ce que je suis. Les Anglais disent « Who I am ?» Qui suis-je? Yes. Alléluia. Yes. J'aime bien leur mot là. I'm a child of God. Je suis un fils de Dieu. Alléluia. Lorsque tu commences ta prière avec cette réalité de toi, I'm a child of God. Je suis un fils de Dieu. Et quand je me positionne, les éléments de la création se mettent ou doivent se mettre au garde à vous. Alléluia. Nous ne prions pas pour supplier. Nous prions pour emmener à l'existence les décrets divins. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, ce matin, il y a un métanoïa dans ma mémoire. Métanoïa, c'est un mot qui signifie en fait challenge, transformation. Yes. Oh my God. Ok, God bless you. Sois bien. Ça. Bien. Comme j'aimerais vivement vous transmettre ce que j'ai au plus profond de moi. Comme j'aimerais vivement. Mais je crois que je peux le faire ce matin. Vous savez, le diable dans la semaine, il est venu attaquer toutes nos deux voitures. Et la RAV4. Et la Yaris, il est venu attaquer. Je dis, ah, tu veux me mettre à pied. Clairement à pied, de là où on habite jusqu'ici, à pied. Alléluia. Amen. Un moment, j'ai voulu réfléchir comme un simple homme. Je me dis, mais je ne suis pas un simple homme. Amen. Alléluia. Amen. Je suis un fils de Dieu. C'était un mercredi, je pense qu'on avait jeté ici au bureau mercredi. Quand je rentre, comme j'avais la petite Yaris, elle se met à chauffer en chemin. Je dis, my God. Et puis bon, j'arrive comme à la maison, après un repos, j'ai de la laisse. Et puis je me dis, bon, je vais attendre d'avoir un peu d'argent. Quand je réfléchis comme ça, je réfléchis comme un homme, hein, comme un simple homme. Quand j'aurai un peu d'argent pour aller mettre ça en garage, c'est-à-dire que les circonstances m'avaient fait oublier que j'appartiens à un Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Vous voyez que les circonstances ne sont pas bien. C'est-à-dire que face aux situations, il te fait oublier qui tu es.
Il oublie que tu es le fils d'un père. Il vient t'embrouiller pour te faire croire que tu es un simple homme. Vous savez, souvent quand je suis confronté à des situations, ma tête fonctionne, c'est-à-dire ça fait 1000 tours à l'heure. Ça tourne. Parce que j'ai été formé, c'est-à-dire qu'un responsable trouve des solutions. Je ne peux pas laisser l'ambition de dormir. Ça, il faut que je trouve une solution. Ah, c'est pas possible, mais quand même. Et ma t'inquiétude. Appelle le garagiste, pose un acte de foi, dis au garagiste de venir prendre la voiture, et ensuite, il va commencer à travailler dessus. L'or et l'argent m'appartiennent. Donc, pas t'inquiétude. Amen. Amen. Et elle va sortir. Parce que l'or et l'argent appartiennent à qui? À mon père. Tout se passe là-dedans. Je n'avais pas d'argent sur place, physiquement, mais c'était là-bas. J'ai envoyé ma carte. Donc, on va tirer la rose là. Tout se passe là-dedans. La puissance de la prière. Donc, j'avais le choix où j'attendais de fonctionner comme tous les hommes. Bon, la voiture est là, elle reste garée, voilà, bon, au parking, tout ça, c'est qu'il y aura un peu d'argent. Et puis après, non, les actes de foi, ça veut dire que même si tu ne vois rien, tu poses un acte et tu dis, Seigneur, tu t'en occupes. Amen. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration. Une démonstration. Mais il faut d'abord que tu poses un acte de foi. Et laissez-moi vous dire que l'argent est sorti de lendemain. Si vous me posez la question, tu as fait comment? Ça, c'est mon secret. Cassion, c'est avec son papa. Mais donc, que je veux dire que la foi fonctionne toujours. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu. Mais voyez-vous, Dieu ne voudrait pas seulement que la foi ou la puissance de la prière soit seulement exercée pour nos besoins personnels. Il faudrait que la foi, en fait, pour la prière, fonctionne aussi en faveur de la nation, en faveur du pays, en faveur des entreprises dans lesquelles nous travaillons ou dans lesquelles vous êtes embauchés, en faveur de nos institutions. Alléluia. Luc 11, verset 1 à 13. Luc chapitre 11. Je vais lire la parole de Dieu. Jésus priait un jour en un certain lieu. Nous sommes dans Luc chapitre 11, verset 1 à 13. Lorsqu'il lui achevait, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense et nous induit, ne nous induit pas en tentation. » Verset 5, il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains. » Car un de mes amis est arrivé de voyage chez vous, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Verset 8, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son opportunité et lui donnerait ce dont il a besoin. Verset 9, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Verset 10, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 11, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Verset 12, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion?
Verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Merci de m'avoir acclamé. Maintenant, acclamons la parole du Seigneur. Oui, quand nous acclamons la parole de Dieu, ça va être beaucoup d'esclaves, de force et d'énergie. Alléluia. Car c'est en elle que nous avons la vie. Alors, remarquez ce qui se passe ici, c'est que les disciples de Jésus, c'est-à-dire avant que Jésus ne vienne, ou que Jésus ne les recrute, en fait, ils priaient déjà parce que c'était des juifs. Ils avaient coutume d'aller en fait à la synagogue. Mais, et déjà lorsque Jean-Baptiste rentre en scène, Jean-Baptiste a des disciples autour de lui. Il constate que la manière dont les disciples de Jean-Baptiste prient était différente de la manière dont les pharisiens en fait, ou les grands prêtres leur avaient enseigné à prier. Donc en fait, oui, au début de la marche avec Jésus, ils sont stupéfaits, ils sont vraiment marqués par la manière dont Jésus prie. C'est pourquoi ils disent à Jésus, écoute, maître, enseigne-nous à prendre comment prier. Enseigne-nous la prière parce que nous sommes franchement impressionnés à la manière dont les apôtres, plutôt les disciples de Jean prient. Nous aimerons aussi prier comme toi. Alléluia. Donc pour lire, la prière, la capacité de prier, elle n'est pas, en fait, ou je dirais, de bien prier, elle n'est pas innée. La prière, ça s'enseigne. Amen. Tout le monde peut prier, mais tout le monde ne prie pas comme Dieu le veut. C'est pourquoi dans l'épître de Jacques, il est écrit, priez, vous ne risquez pas parce que vous priez mal. Le temps n'est pas de prier. Est-ce que lorsque je prie, je suis exaucé? Est-ce que je suis exaucé? Est-ce que ma prière fait bouger les lignes? Le problème, c'est que, je ne sais pas, tu sais, regardez un peu, il m'est souvent arrivé de suivre, j'aime bien suivre dans les chaînes, les émissions comme les crashs d'avion, etc. Et puis, ce qui m'a impressionné avec ces émissions, c'est que à chaque fois qu'il y a eu crash d'avion, c'est-à-dire il y a tout un mouvement qui se met autour pour chercher à comprendre pourquoi cet avion a crashé. Quel est l'élément qui n'a pas fonctionné dans cet appareil pour qu'il crashe? Ils cherchent, ils trouvent et ils s'améliorent pour que ça ne se reproduise plus jamais. Un esprit de recherche. Donc, comme ça, pour beaucoup parmi vous, vous ne vous posez pas des questions. Pourquoi ça ne marche pas? C'est que vous relativisez tout, c'est normal, c'est encore fait comme un monde. Comme quelqu'un en fait qui estime que c'est normal ce que je vis. Mais non! Il doit y avoir une révolte au-dedans de toi. Lorsque tu pries et que quelque chose ne se passe pas, il doit y avoir une révolte. Pourquoi? Dieu, Jésus lui-même, il a dit, demandez. Et vous recevrez. J'ai demandé, je n'ai pas reçu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, ce verset a-t-il été placé par erreur dans la Bible? Non! La parole de Dieu est vérité. Amen. Vous voulez grandir? Vous voulez vivre les merveilles de Dieu? Apprenez à remettre les choses en cause.
Si ce que Dieu a dit, vous ne voyez pas la chose s'accomplir, écoutez, remettez-vous en cause, allez-y, importunez Dieu. Donc, et Jésus ici, la Bible nous dit, il leur dit, quand vous priez, dites. Donc, nous sommes ici au verset 2. Alléluia. Il dit, quand vous priez, dites Adonai. Dites El Shaddai. Dites El Elyon. Dites El Rapha. Alléluia. C'est comme ça qu'il commence à enseigner à ses disciples. Est-ce que nous sommes d'accord? Jésus ne dit pas aux apôtres que quand vous priez, commencez par dire El Shaddai. Non. Il dit, quand vous priez, la base de la prière, c'est une base filiale entre le Père et son Fils. Quand vous priez, dites Père. Lorsque tu entres dans les temps de prière, tu dois être animé de cet esprit. C'est-à-dire, tu dois réaliser que tu te rapproches de ton Père. Dieu est un Père. Le Père physique que Dieu nous a donné n'est qu'une représentation de lui. Donc, quand il fait bien, pas quand il fait mal. Parce que s'il y a des pères méchants, tu diras que le pasteur a dit que les papas sont des représentants de Dieu. Donc, quand mon père est méchant, donc lui aussi est méchant. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je dis, quand il fait bien, quand il joue son rôle de père, là, il représente l'image de Dieu. Mais quand cela le tient, nous ne sommes pas là pour juger nos pères ou nos mères. Ce n'est pas le devoir d'un enfant. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu est un père. Quand tu te rapproches, sois animé d'abord de cet état d'esprit. Saint-Père, notre Père. Lorsque tu te rapproches de Dieu dans la prière, quel est ton état d'esprit? Il est qui pour toi? Tu le vois comme qui? Un Père. Alléluia. Bien aimé, je ne vais pas rentrer dans tous les détails qu'il y a dans ce passage. Il y a des bases d'exaucement. La base de la puissance dans la prière, c'est la sanctification. Amen. Quand Jésus ici dit, quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. Jésus veut faire comprendre aux disciples que vos vies doivent sanctifier le Seigneur. Parce que Dieu, dans son essence, est déjà saint. Donc, nous devons réaliser, tout faire pour que nos vies soient des vies sanctifiées, des vies purifiées. Il y a une différence entre la sanctification et la pureté. La sanctification, c'est une mise à part. C'est s'écarter de la masse pour être consacré à quelque chose, consacré à son Dieu. Maintenant, la purification, c'est la propreté lavée par le sang de Jésus. Alléluia. Donc, celui qui s'approche de Dieu doit d'abord réaliser que sa vie est mise à part pour Dieu. Et ensuite, j'ai besoin de veiller à ce que ma vie soit aussi une vie de pureté. C'est pourquoi nous avons un avocat auprès du Père. Cet avocat, oui, c'est Jésus. Nous devons aller vers lui pour confesser nos péchés. C'est pourquoi dans 1 Jean 1, 9, il est écrit, si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu tout en étant sale. Il te dira, va d'abord te laver. Va te laver dans le sang de mon fils.
Alléluia. Bien-aimé. La prière, c'est cette ligne, en fait, qui je dirais, cette ligne téléphonique entre le ciel et toi. Important. Vous me direz, mais pasteur, pourquoi la purification? Pourquoi la mise à part? C'est parce que tout simplement, toutes les prières ne possèdent pas la même force, la même énergie, la même puissance, le même feu ou la même flamme. Amen. Une prière qui n'a pas de force ou de flamme sera interceptée parce que dans la cartographie, si je peux dire ça comme ça, spirituelle, vous voyez, nous sommes ici sur la terre. Il y a, les hommes sont sur la terre, nous sommes sur la terre. Et il y a le deuxième ciel. Je ne parle pas du ciel atmosphérique. C'est-à-dire au-delà du firmament. Il y a un autre ciel. À ce deuxième ciel, c'est là que les puissances des ténèbres, c'est là que Lucifer, Satan et toute son organisation, en fait, démoniaque, se sont positionnés. Et il y a ensuite le troisième ciel, celui dont, quand vous lisez dans les épîtres de Paul, il dit, il connaît quelqu'un qui, en fait, S.S. dans son corps, hors de son corps, se retrouva au troisième ciel. Le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu. Amen. C'est là où Dieu réside. Lorsque nous prions sur la terre, nos prières parcourent. Ça part de la terre pour aller jusqu'au troisième ciel. Maintenant, si tes prières sont pleines de feu, les douaniers, les esprits qui logent au deuxième ciel ne pourront pas saisir ta prière. Mais si ta prière n'est pas pleine de feu, pourquoi? Qu'est-ce qui rend ta prière pleine de feu? C'est ta vie de sainteté, c'est ta vie de pureté, c'est ta vie d'obéissance à Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Donc, lorsqu'une prière est pleine de feu, ils ne peuvent pas toucher, ils ne peuvent pas stopper. Ça va directement au trône de Dieu. Tout de suite, c'est traité et puis, tu as des choses. Il faut que vous sachiez cela. Parce que vous savez, mais je ne comprends pas, parce que je prie, je ne comprends pas. Mais il faut aussi comprendre, en fait, quelle est. En fait, le mouvement de ta prière. Et vous verrez, c'est dans le livre de Daniel. Lorsque Daniel s'est mis à prier, la Bible nous dit que l'ange, déjà lorsqu'il prie, lorsque tu as eu à cœur de prier, en fait, Dieu a eu à cœur, en fait, d'avoir entendu du Père, de Dieu. Et il m'a envoyé, mais je fus retenu par le prince de Perse. Où? Amen. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre comme tu veux et être un homme, une femme qui fait bouger les lignes dans le monde naturel. Tu ne peux pas faire bouger les lignes sur le plan physique. Si sur le plan spirituel, tu n'as pas fait bouger les lignes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Verset 4. Pardonne-nous pour nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Là encore, pour que Dieu t'exauce, pour que nos prières soient efficaces, parce que c'est une chose de prier en groupe. Vous savez, dès l'instant où nous décidons de prier en groupe, même s'il y a 20 personnes qui vivent la sainteté et qu'il y en a deux qui vivent le péché, les prières de ce couple-là ne seront pas exaucées.
Parce que, en fait, dès l'instant où nous nous unissons dans la prière, nous sommes 10 ou nous sommes 20, 20 personnes qui vivent dans la sanctification, qui vivent dans la pureté, et il y en a 3 qui malheureusement ne vivent pas dans la crainte de Dieu, mais qui sont dans cette, qui sont à cette rassemblement de prière. Tant que ces personnes ne se sont pas répandues, elles n'ont pas décidé d'abandonner le péché, les prières deviendront inefficaces. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle la loi de l'unité. Celui qui s'unit à la prostituée devient une seule chair. C'est important, c'est bien. Prenez le temps d'abord de vous examiner. Amen. Amen. Et décidez de changer. Et comme je l'ai pu vous dire, Dieu ne veut pas qu'on lui donne des informations. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, j'ai détourné, j'ai fait ceci. Dieu connaît tout ça. Tout ce que Dieu recherche, c'est un cœur contrit. Comme dit Seigneur, j'ai menti. Il doit avoir en toi le regret de quelqu'un qui, en fait, ça dit, tu regrettes d'avoir menti et tu décides de le changer. Mais beaucoup de personnes, en fait, ne sont là que pour informer, en fait, à Dieu. Ils informent à Dieu les choses. Mais ne veulent pas changer. Mais attendez, Dieu voit, il sait que tu n'es pas prêt à abandonner. Et qu'est-ce qu'il dit? Je bouche les oreilles quand c'est comme ça. Allez-y dans Esaïe chapitre 1. Allez-y interroger Esaïe. Quand la Bible, quand Jésus dit, là où deux ou trois personnes sont assemblées, c'est. En fait, il est question de deux ou trois personnes qui se sont sanctifiées, se sont purifiées et ont décidé de prier. Amen. Amen. Le secret de la prière. Puissance de la prière. C'est la prière qui permet à Dieu de prendre les choses qui sont dans le monde des esprits ou le monde et les ramener dans le monde physique. C'est la prière. Un homme qui prie, une femme qui prie, vous savez, il y a aussi ce qu'on appelle des niveaux, en fait. Il y a des grades dans la prière. Beaucoup parmi vous, vous êtes restés, en fait, il y a beaucoup qui auraient pu être aujourd'hui des commandants ou des colonels ou même des généraux dans la prière. Mais ils sont toujours restés que le plus bas grade dans la... Quand on commence, c'est juste une première classe. Il y a des chrétiens de première classe dans la prière. C'est-à-dire, le gars, il a 5 ans, la soeur, il a 6 ans en Christ, joue première classe. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu ne voit pas en toi un homme ou une femme qui travaille dans la prière. Un travailleur. Et vous savez comment on travaille? C'est quand nous sommes là les vendredis. Toi, les vendredis, tu es à la maison. Confinement, ça se comprenait. Nous, on a été confinés. Les vendredis, tu es chez toi. Alors que Dieu t'attend ici. Il regarde. Ah, elle est là. Elle est là. Elle est là. Il est là. Ah, oh, elle n'est pas là. Elle est là. Non, elle est à la maison. Il est à la maison. Avant, je la trouvais là. Quand il les a apportés, chaque jour, ils étaient au temple. Mais nous, ici, ce n'est pas chaque jour. Parce que les temps ont changé. Tu n'es pas là. Vous savez quel est le mouvement qui se passe à chaque fois qu'on est rassemblé ici. Vous savez le mot. Il y a quelqu'un qui nous a rendu témoignage ici. Qui était venu passer, qui passait un temps avec le Seigneur. Un temps. Et la personne est passée la nuit ici. Et la personne a vu dans le rêve. Et il lui a dit, l'ange de Fata est là. Prends garde à toi. C'est elle-même hein, la personne qui vient nous le dire. Pasteur, voici ce que j'ai vu dans le rêve. Puis donc, on sait ça. On sait que l'ange de Dieu, dans ce temps-là, il y a l'ange du Seigneur. Vous comprenez? Donc,
pendant que les anges viennent descendre avec des poulpes, parce que Dieu vous connaît, il sait, et quand il vient avec des coupes d'élévation, des coupes de changement de dimension, il vient tuer l'absent. Ce n'est pas la maison qu'il t'attend. Il t'attend dans son sanctuaire. Mais tu n'es pas là. Moi, je ne pars avec. Mais tu ne comprendras pas pourquoi. C'est l'eau qui est en train de percer. Mais toi, tu ne perces pas. Parce que tout simplement, Dieu ne nous donne pas l'onction pour nous-mêmes. Amen. Dieu ne nous donne pas l'onction. C'est pourquoi vous remarquerez que vous rendez compte que l'homme de Dieu, comme Renard Planté, qui a sauvé des millions et des millions d'âmes, qui a guéri autant de malades, qui a même ressuscité les morts, aujourd'hui il est auprès du Seigneur. Mais vous savez ce qu'il a entraîné? Il a été atteint d'un cancer. Parce que tout simplement, l'onction que Dieu nous donne, les outils qu'il nous donne, ce n'est pas pour nous, c'est pour servir. Maintenant, à des moments, si ça peut, si Dieu peut faire grâce pour que ça nous serve, mais généralement, ça ne sert pas souvent. Ça ne sert pas, ça sert aux autres. Donc, lorsque tu n'es pas là, mais à quoi servait-il que Dieu te donne, puisque ça ne peut pas se gaspiller, l'onction ne doit pas se gaspiller. À quoi servait-il qu'il te donne une onction, par exemple, de force et de puissance, si tu n'es jamais au lieu de rendez-vous, au lieu de la rencontre? Amen. Amen. Église, la prière, elle est aussi dimensionnelle, si je peux dire ça comme ça. Ça change de dimension. La manière dont je priais lorsque j'étais bébé converti, ce n'est plus la même aujourd'hui. Les choses ont changé. Les forces que j'avais hier ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Même quand j'étais quand j'ai commencé mon ministère pastoral, il y a un moment où je me suis dit, ouais, mais Seigneur, mais pourquoi tu ne vas pas m'enseigner ainsi lorsque je commençais mon ministère? Il me dit, chaque chose a son temps. Les choses croissent avec la connaissance. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Et il pour nous montrer en fait un peu l'efficacité de la prière. Il dit, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je me dis, même s'il ne le savait pas, même s'il ne se levait pas autant pour moi, pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Exactement. Oui. Encore, parce que pour prendre l'exemple de toilette, tu es chez toi, à la maison, 24 heures à la porte. Quand qui est là? Ah, c'est ton ami Martin. Oui, Martin, c'est quoi? Je suis fatigué. J'ai travaillé toute la journée, Martin. Oui, mais en fait, mes enfants n'ont pas mangé. Ils ont fait. Ah, Martin, on va passer demain. Il se rendort. Quand Martin, j'ai une journée chargée. Oui, mais s'il te plaît, les enfants pleurent. Martin, ne me dérange pas. Quand les gens sont comme ça, ils dérangent. Ok, bon. Ok, attends. Et puis, il tue un peu là parce que il met la lumière, il va au congélateur. Bon, écoute, Martin, c'est la dernière fois. Bon, allez. Alléluia. Amen. Amen. Tout homme, n'agirait-il pas ainsi? Amen. Officiel de son ami. Mais qu'est-ce qui va? Merci. En fait, qu'est-ce qui va l'amener à se déplacer? C'est à cause de la persistance. Amen. Amen. Parce que
forcément m'ouvrir la porte. Donc il persiste. Là, c'est pas comme de l'amour, là. Le gars veut dormir. Il sait quoi, si je ne dors pas là, il va me mettre les choses. Alléluia. Et Dieu, Jésus prend cet exemple pour dire que si vous les hommes, à force de vous déranger, vous êtes prêts à rendre service, à exaucer la demande, qu'en est-il de Dieu? Parce que Dieu, lui, est amour. Amen. Dieu est amour. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, il est prêt à exaucer. Lorsque vous entrez dans, vous décidez de prier, réalisez que vous entrez dans la présence de celui qui est amour. L'amour supporte tout, l'amour donne tout, l'amour est patient. Alléluia. L'amour. Ne rentrez jamais dans la présence de Dieu avec le doute. Rentrer avec la réalité sur laquelle Dieu est amour. Et l'amour de Dieu est différent de l'amour des autres. L'homme a l'amour, mais Dieu est amour. L'état de Dieu, il est amour. Là où l'homme a végété, piétiné, Dieu vient ramasser et donner une forme à ce que l'homme a acheté. Alléluia. Dieu est amour. C'est pourquoi tout à l'heure que nous prierons, réalisons que nous avons un Dieu d'amour. Dieu est amour. Et personne ne finit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et l'on vous ouvrira. Tout ça, ce sont des dimensions. Tu commences d'abord par demander. C'est-à-dire que quand tu commences dans la prière, c'est d'abord une dimension en fait où les choses ne sont pas. C'est-à-dire que tu commences dans la simplicité. Seigneur, tu as dit dans ta parole, demandez, l'on vous donnera. Je viens dans ta présence, Seigneur. Je viens te demander, Seigneur, d'aller changer cette situation. Seigneur, parce que tu as demandé. Et tu constates que cette dimension-là, ça n'a pas fait bouger les lignes. Alors, tu vas maintenant t'en chercher. Donc, tu prends un temps de jeûne, de prière. Seigneur, je viens, mais je me retire, Seigneur. Je prends, Seigneur, ce temps avec toi parce que tu as dit chercher ma face. Tu as dit tu te révèles à quiconque décide de te chercher. Seigneur, je te prie de te révéler à moi au nom de Jésus. Révèle-toi à moi, Seigneur. Je cherche ta face, Seigneur. Tu as dit chercher. Et tu constates que ça ne fait pas bouger les lignes. Alors tu vas maintenant sur le mettre frappé court à la massage. Dans le nom puissant, tu appelles la dimension du combat maintenant. Au nom puissant de Dieu, je me lève contre les puissances et les dominations qui agissent contre ma requête. Vous depuis le deuxième ciel, je vous déstabilise au nom de Jésus. Je chasse les démons et les puissances de ténèbres qui agissent contre l'action que je mène depuis la terre. C'est-à-dire que tu te restes inspiré. Là, tu rentres dans ce qu'on appelle le carnage spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Et ça marche toujours. Ça peut être écrit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser quoi? Les forteresses, les hauteurs. Alléluia. Et tout ce qui se fait contre la connaissance de Dieu. Si tu as fait ça, et que ça n'a pas marché, tu viens me voir. Une batterie faible plus une batterie forte, ça avance. Mais je sais que ça marche toujours. Mais si ça ne marche pas, ne te décroche pas, ok. Je vais faire ce qui a mon pouvoir. Je pense que là, tu vas aller voir le pasteur. Et là, tu vas se mettre ensemble. Ça peut être obligé de lâcher prise. Il va lâcher prise. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ne doutez jamais de l'être. La prière, ce ne sont pas des récitations. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui. Est-ce que là j'ai besoin du même quotidien? Il y a mon patron qui m'emmerde en fait. J'ai mes affaires qui sont bloquées là. C'est-à-dire que chef d'entreprise, mais je ne comprends pas. Je fais des travaux, mais rien ne rentre. Là, ce n'est pas le peuple, au nom de Jésus, que ceux qui détiennent mes finances là-bas. J'ai fait mon travail, mais je ne reçois pas un retour au nom de Jésus. Alléluia. Donc, la prière, ce n'est pas la visitation. Pardon, nous, on pense que. Est-ce que là, je prie par le feu?
la prière. C'est-à-dire que ouais, cette prière-là que Jésus en fait a présentée ici, c'est un peu c'est comme une formule. Hein? Je pense que quand on était au primaire, on disait que prie de la charme. Hein? Plus de quoi? Plus de réunion, plus ça. Oui, allez, d'après la formule. C'est ça donc quoi? Ça donc plus de réunion. Une formule, non? Plus de réunion égale à plus de charme. Problème au problème, ça fait longtemps. C'est clair. Alors, donc, c'est-à-dire que au tableau, le maître ou la maîtresse te met toute une série de phrases là, juste pour t'amener tout simplement à résoudre ce problème en mettant en application cette formule là. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc la prière que vous voyez que Jésus en c'est une formule. Une formule dans laquelle ou qui te permettra de prier selon les normes du ciel. Est-ce que nous sommes d'accord? Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais beaucoup, malheureusement, en ont fait. Tu vas dire, bon, le donc la maîtresse ou le maître. Alors, et puis bon, sur la fin de devoir, tu veux seulement hein, prix de revient égal, plus d'achat, plus frais. Prends les feuilles. Et le maître d'aide. L'enfant là, c'est quoi son problème? Amen. C'est quoi son problème? Est-ce que c'est ce que je t'ai demandé? Donc, la prière n'est pas une formule. La prière, je prends conscience du besoin qu'il y a, de la situation qu'il y a. Et sur la base de cette prise de conscience, je mets en application les différentes formules. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est important. Donc ce ne sont pas des hésitations. C'est le cœur qui s'exprime. C'est le cœur qui est révolté face à une situation. C'est le cœur. Il y a une colère. Et je veux que ça change. Alors je fais recours aux forces spirituelles. Mais attention, quand je parle de force spirituelle, vous savez, comme je vous ai souvent dit, il y a le monde spirituel, c'est un terme général. Il y a le spirituel de Dieu et le spirituel des ténèbres. Quand je parle de force spirituelle, je parle des anges. Est-ce que vous comprenez cela? Je parle de Dieu lui-même. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. C'est important. Parce que aujourd'hui, dans les temps de la fin, là, il faut toujours bien détailler comme ça, là, pour que les hommes n'aillent pas confondre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc la prière met en mouvement les anges de Dieu. La prière met en mouvement l'action divine en notre faveur. Bien-aimé, ce qui est bien, c'est que Dieu dit, quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, il donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Tu as dit, Seigneur, tu crois que je suis au chômage? J'ai besoin du travail. Et puis, trois semaines après, tu apprends qu'on embauche quelque part. Mais ce qui est étrange, c'est que ce travail te prend du matin de 6 heures ou de 8 heures jusqu'à 20 heures. Du lundi au dimanche. Est-ce que c'est vraiment le Père qui est dans cette? Parce que déjà, de 8h à 20h, ce qui vous donne que je n'ai pas de vie de famille, je ne peux pas suivre mes enfants, je serai constamment sur le terrain du travail. Le dimanche, je ne peux pas l'adorer, mon Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est à l'intérieur. Je ne m'y engage pas. Parce que ce que Dieu donne est écrit, la bénédiction de l'éternel ne se fait suivre aucun chagrin. Ce n'est pas tout ce que vous appelez bénédiction qui vient forcément de Dieu.
Parce que le diable aussi l'interprète. Vous savez, si Dieu nous ouvrait les yeux pour que nous voyions ce qu'il y a autour de nous là, même quand vous êtes à mon père, si Dieu vous ouvre les yeux, vous verrez des squelettes, c'est-à-dire des squelettes qui marchent. Vous verrez donc la tête en bas, les pieds en haut en train de marcher. D'autres ont la tête des chiens avec les pieds de canard. C'est-à-dire que nous sommes dans le monde, la terre que vous voyez là. En fait, il n'y a pas que les humains. Amen. Il y a d'autres êtres qui sont avec nous sur la terre. Amen. Lorsque tu pries, ne pense pas qu'il n'y a que Dieu qui entend ta prière. C'est pourquoi la prière, lorsque tu t'attends à l'exaucement, tu dois activer le discernement. Tu actives. Amen. Amen. Pour savoir est-ce que cette offre-là est une offre qui me vient de Dieu ou c'est une offre qui va faire de moi un esclave. Tu n'es pas pressé, tu sais que ton Dieu va t'exaucer. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup en fait qui oublient que Dieu va les exaucer. Donc, ils sont tout de suite, on ne sait jamais, vous savez, le monde du travail c'est bien compliqué. Donc là, moi, je préfère sauter d'abord dans la barque là parce qu'on ne sait jamais. Mais dis-moi, si tu as déjà les mains occupées, qu'est-ce qu'on peut? Tu n'as plus rien pour recevoir ce qu'on va t'offrir. Si j'ai mes deux mains là, pour t'occuper, vous me tendez un billet. En fait, je suis obligé de déposer le micro. Et voilà comment beaucoup parmi vous se sont retrouvés dans des postes ou dans des fonctions d'esclaves. Esclaves. Et la meilleure, c'est qu'on te prend toute une semaine et on te paye en monnaie de singe. My God. Là, c'est encore. Je vais encore faire comment? Mais. J'ai galéré. Au moins, c'est vrai que ça me prend toute la semaine. Mais ça me sont au moins 80 000 francs. Il oublie qu'il a prié, il oublie qu'il a demandé à Dieu de lui ouvrir une porte. Tu vas encore faire comment? Donc quand ce qui est bon, là je bricole encore. Maintenant quand ce qui est meilleur viendra, je vais laisser. Ah bon? Mais toi-même tu t'es déjà mis la porte. Un homme de foi, une femme de foi, ne se laisse pas attirer par n'importe quelle offre. Il discerne les offres. Vous savez, le tout, c'est de connaître ce que tu as. Quand vous réalisez votre valeur, vous ne vous offrez pas n'importe qui. Vous savez, quand j'étais rentré, quand je suis rentré d'Afrique du Sud avec ma licence en théologie, je vous dis, j'avais le choix, soit je restais en Afrique du Sud. Et je travaillais dans un ministère, je présentais mon diplôme, etc. En fait, je pouvais travailler en Afrique du Sud. Et je pouvais travailler. Je pouvais être. Et je savais aussi que en rentrant au Gabon, une église qui me sollicitait, vous dites, pasteur, vous savez, quand vous connaissez ce que vous êtes, vous négociez. Je possède, on appelle ça comment? Je possède un background, c'est comme ça qu'on dit, hein? Hein? Est-ce que c'est ça? Hein? Yes. C'est-à-dire, là, quand tu as la contenance là. C'est-à-dire, j'ai des références. Donc, je ne peux plus faire le pastorat comme si, en fait, non! Je possède quelque chose. Donc, je te présente. On fait ça, tu me payes à combien? J'ai une femme, j'ai des enfants. Donc, on fait comment? C'est comme ça que ça se passe dans le monde anglo-saxon. C'est ici là où, en fait, où les bombes, c'est normal. Ils refusent d'aller étudier. Quand ils commencent juste à parler en langue, à chasser les démons, à bien les appeler, à vivre devant des pasteurs. Mais là, les choses, quand tu connais, quand tu as le niveau, les choses sont différentes. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Vous devez savoir ce que vous êtes, ce que vous avez. Ce que tu as. Donc, je vous parle de ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, sache que le mouvement de Dieu se met en fait en action, en ta faveur. Alléluia. Mais, attention. Attention. Parce que
l'ennemi de ton succès, l'ennemi de ta réussite, fera passer en fait une photocopie. La photocopie, ça ressemble à l'original, hein, mais ce n'est pas l'original. Il faut être un expert pour savoir que là, c'est une photocopie. Et beaucoup parmi vous, vous êtes retrouvés dans des fonctions de photocopie. Beaucoup parmi vous, vous êtes vraiment dans des relations de photocopie. Beaucoup parmi vous, vous êtes retrouvés en fait dans ce qu'on appelle, vous vivez des photocopies. Mais les photocopies ne sont pas l'original. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Moi-même, j'ai failli être victime. Mais comme ce n'est pas le cas d'approprié, j'en parlerai dans un autre. Je sais de quoi je parle. Ne pensez pas que lorsque vous formulez une demande, elle reste là sans, elle reste statique. Non. Des forces se mettent en mouvement pour t'empêcher d'obtenir ce que Dieu a prévu. Mais tu obtiendras, mais pas forcément ce qui vient de Dieu. Et si tu y entres, tu es fini. Alléluia. Je me souviens, quand je rentrais, donc je commençais le ministère, on était en train de construire cet endroit, mais nous étions encore, on appelle ça comment, à l'ancien Sauvraga. Et puis, c'était un bishop qui révélait, qui exerce dans un autre pays, quoi, il savait qu'il était le pasteur justement pour avoir exercé dans le. Dans mon ancienne église. Alors, il vient, ni pasteur. Donc, il apprend en fait que je commençais le ministère. Un autre. Et il se rapproche, oui, pasteur. J'ai appris que vous avez commencé, j'ai appris. Mais écoutez, pasteur, vous pouvez m'inviter, et puis on peut organiser un séminaire, et ensuite, vous savez, les âmes, il faut, il commence à dire, vous savez, les âmes, il faut les déplumer. Vous savez, quand vous avez une âme, quand elle arrive là, elle fait au moins 6 mois avec toi, mais 6 mois après, elle va changer. Donc, je me m'apprête que tu es en train de construire. Donc, tu sais, on peut organiser un séminaire. Moi, Dieu m'utilise dans les appels de fonds. Donc, t'en fais pas jeu. Et puis, tu peux te faire entre même 10 millions. Le gars, il n'a pas changé. Parce que nous l'avions reçu à l'époque, quand on était donc dans la grande communauté là-bas, on avait reçu. Non, non, malgré tout, le gars n'a pas changé. Donc, lui, les églises, c'est fait pour, en fait, dépouiller. Donc, au lieu de bénir, il dépouille. Donc, c'est-à-dire que je l'écoutais souvent religieusement. Le lui parle, c'est la dernière fois que tu vois mon visage. Parle. Et quand il a fini, je dis bon, au revoir. Et plus jamais. Je l'ai en contact avec. Quand il est même reparti dans son pays, plus jamais. Parce que le sacerdoce n'est pas fait pour dépouiller les gens. Le ministère ne m'appartient pas. Je suis tout simplement un ouvrier dans le ministère du Seigneur. Si Dieu a dit qu'on prie dans un taudis, on priera dans un taudis, les âmes seront sauvées. S'il a dit qu'on priera dans un endroit propre, on priera dans un endroit propre, les âmes seront toujours sauvées. On a construit cet endroit. On n'a pas eu besoin de racketter les gens. Ou un peu, peut-être que le diable savait qu'on avait un projet. On savait qu'on était en état d'urgence. On avait besoin d'un endroit à nous. Et il a mis quelqu'un. Et quelqu'un, en fait, je vous dis que quand ce gars-là prêche. Oh. Non. Je vous dis que même si vous avez 200 000 dans votre poche en motivation, vous allez venir les déposer. Il a une langue non. Attends, j'ai mis les passer par quelle école pour parler comme ça. Mais malheureusement, est-ce que c'est Dieu qui lui a donné cette langue? Est-ce qu'il l'a machiné? Mais malheureusement, il l'utilise à mauvais pour manquer de mauvais essai. Amen. Je veux vous faire comprendre tout simplement.
encore une fois, faites attention. Après avoir prié, il n'y a pas que Dieu qui est prêt à vous exaucer, mais il y a l'adversaire qui voudra en fait introduire en fait une fausse, un faux exaucement. Mais quand vous êtes, vous avez les yeux, vous savez ce que vous avez demandé. Amen. Ce que vous avez demandé, ce n'est rien. Vous discernez, vous vérifiez. Ok, simplement ça. C'est vous engagez. Amen. Amen. Parce que Dieu dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Si nous, dans notre nature d'homme, nous savons faire du bien à nos enfants, comment penseras-tu que Dieu va te donner quelque chose qui va te faire souffrir? Comment penseras-tu que Dieu va te donner quelque chose qui va te priver de sa présence au point où, c'est, où tu ne peux plus être présent dans sa maison, au point où tu ne peux plus gérer ta famille, au point même où tu n'es pas encore marié, mais tu ne peux même pas t'organiser en vue d'une préparation pour un futur mariage? Dieu n'est pas comme ça. Tout ce que Dieu donne est bon. Mais lorsqu'il y a des choses similaires qui contredisent en fait le bonheur ou le plan de Dieu pour vous, nous avons la solution de la prière. Alléluia. C'est pourquoi ici il y a des jours où les pasteurs reçoivent pour vous écouter et prier avec vous. Alléluia. Bien-aimés, j'ai pris tout ce temps pour vous enseigner parce que vous devez comprendre que la nation a besoin de nous. Nous sommes pratiquement, comme je le disais dimanche dernier, c'est maintenant que l'Église doit commencer en fait à préparer en fait les temps qui arrivent, les temps électoraux. On doit porter la nation dans la prière. On doit porter en fait toute la machine électorale dans la prière. On doit porter les autorités dans la prière. On doit porter le peuple gabonais dans la prière. On doit porter en fait tous ceux qui vivent au Gabon dans la prière. Nous devons porter notre pays dans la prière. Alléluia. Amen. Nous devons prier. Il est important de prier. La prière change. La prière modifie les plans des ténèbres. La prière détruit les mauvaises intentions des peuples. Alléluia. La prière déroute nos ennemis, les ennemis de notre nation. La prière. Amen. La prière apporte la sagesse dans les cœurs des dirigeants. La prière. Yes. La prière protège aussi, en fait, nos autorités, la prière. Vous savez, la position d'autorité est une position assez difficile. Parce que toute autorité est sollicitée par deux forces. Elle est sollicitée par les forces divines, elle est aussi sollicitée par les forces des ténèbres. Mais lorsqu'une autorité est soutenue par la prière, ce sont les forces divines qui vont l'influencer. Mais si elle n'est pas soutenue par la prière, ce sont les forces des ténèbres qui vont l'influencer. C'est pourquoi vous remarquerez dans la parole de Dieu que les rois étaient toujours entourés des prophètes. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Toute position d'autorité requiert un dispositif spirituel tout autour afin de mieux gérer la fonction ou la tâche qui lui est confiée. La prière. La prière. Donc, et comme je le disais, d'ailleurs, beaucoup le disent, nous le savons tous, on n'a pas de pays de l'échange. C'est maintenant que les choses sont là. De la même manière que les états-majors des différents partis politiques s'organisent déjà, l'Église aussi doit. En fait, l'Église, comment dirais-je, l'Église reste impartiale. L'Église porte la nation. Alléluia. Parce que l'Église est un lieu, vous savez, on va vers l'homme de Dieu, on va vers Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la direction. Donc l'Église ne peut pas être d'abord quelqu'un. L'Église, en fait, reste pas. Je parle de l'Église de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'Église de Jésus. Maintenant, il y a certains qui prennent des bords. Ça, je ne suis pas là pour les juger. Mais quand je vois dans la parole de Dieu, Jésus est pour tout le monde. Alléluia. Amen. Jésus est pour tout le monde. Jésus est pour tout le monde. Quand je conclurai par là, avant qu'on entende la prière,
en fait, les pharisiens viennent vers Jésus et posent la question à Jésus. Ils disent, maître, doit-on payer l'impôt? Jésus est là. Écoutez, quand les pharisiens posent la question à Jésus, Israël, en fait, était colonisé par les Romains. Donc, Israël n'était plus dans toute sa souveraineté. Jésus est juif. Jésus n'est pas nationaliste. Alléluia. Amen. Il est juif. Son pays, ou le pays de son peuple, est colonisé par les Romains. Et les pharisiens viennent lui poser la question. Seigneur Jésus, doit-on payer l'impôt à César? Apporter la voix à la pièce là. Bon, cette pièce là, quelle effigie qu'il y a dessus? Non, mais c'est l'effigie de César. Rendez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Jésus est un pharisien. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il veut, c'est que sa paix règne dans le pays. Alléluia. Jésus est un pharisien. Église, chacun, d'entre vous, je parle en tant que citoyen gabonais, chacun a son choix. Mais en tant qu'Église de Jésus, on est un pharisien. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Bien-aimés, c'est pourquoi nous allons. La première chose, vous savez, le Gabon est un pays béni. Et Amen. Nous le savons tous. Le Gabon est un pays béni. C'est pourquoi les forces, les puissances des ténèbres discutent ce pays. Amen. Mais il y a dans la parole de Dieu une promesse. Notez le psaume 2, 7 à 8. Vous notez seulement, je vais lire. Psaume 2, verset 7 à 8. Il est écrit ceci. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi les nations. Demande-moi et je te donnerai les nations. Comme pour lire, demande-moi et je te donnerai le Gabon. Je ferai en sorte que je prenne le contrôle du Gabon. Si Dieu, le Créateur, prend le contrôle du Gabon, ça veut dire que tout ce qu'il a prévu pour le Gabon devrait s'accomplir. Si Dieu a le Gabon entre ses mains, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu qui est un Dieu de paix, alléluia, sa paix, en fait, sera manifeste. Dieu qui est un Dieu d'équité. Et ça veut dire que tout ce que nous souhaitons pour notre pays, nous le verrons. Amen. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'Église, plutôt, la nation se trouve entre les mains de Dieu. Yes. Tout pays dans le monde entier, il n'y a aucun pays qui échappe à cela. Tout pays est soit influencé par les forces divines, soit influencé par les forces des ténèbres. C'est pourquoi, lorsque l'Église de Jésus prend conscience et se met à prier pour le pays, alors, comme je vous le dis souvent, l'Église est l'armée visible de Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Et lorsque nous prions, les anges de Dieu se mettent en mouvement selon, sous l'ordre du Seigneur Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Si nous ne prions pas, ils ne peuvent pas se mettre en mouvement parce que la terre a été donnée aux hommes. Nous allons prier. La première chose, c'est dire, Seigneur, donne. Seigneur, que tu aies le contrôle de ce pays. Que ce ne soit plus la magie qui est le contrôle de ce pays. Que ce ne soit plus la sorcellerie qui est le contrôle de ce pays. Que ce ne soit plus les idoles qui est le contrôle de ce pays. Que toute autre forme d'adoration qui n'a rien à voir avec le Dieu créateur. Seigneur, ça c'est moi. Seigneur,
que le tour, que le capon, Seigneur, soit entre tes mains. C'est toi qui as dit, demande-moi et je te donnerai des nations. Mais nous te demandons, Seigneur, cette nation. Alléluia. Est-ce que nous pouvons le faire? En parlant pour le moment, Seigneur, regardons. Nous voyons les 9 provinces. Nous voyons les frontières. Que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Nous voyons aussi l'espace aérien. Nous voyons l'espace maritime. Nous voyons la terre ferme. Et non une cartographie, je dirais, si le mot tient bien, géographique de notre pays. Tu ne peux pas prier pour le Gabon et ne pas, en fait, voir le Gabon, en fait, dans ton esprit. Je voudrais que nous tendions nos mains. Nous avons ici le drapeau du Gabon, notre cher pays. Seigneur, donne-nous. Alors que, Seigneur, nous nous rapprochons, Seigneur, nous nous rapprochons des échéances de 2023, Seigneur, de manière peut-être, comment dirais-je, latente, mais la vérité, c'est que nous y allons. Seigneur, que ce pays soit entre tes mains, que tout ce qui devra se faire soit contrôlé par toi, et non par la magie. Et non par la sorcellerie, et non par les puissances des ténèbres, mais par la main de Dieu. Tendons nos mains vers notre drapeau et demandons au Seigneur la nation. Prions au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui, notre Dieu, qui a dit : demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Seigneur, ce matin, nous allons te demander le Gabon. Ce pays que tu as choisi, ce pays que tu as conquéré, ce pays que tu as toujours protégé, ce pays, Seigneur, qui est combattu, ce pays, Seigneur, qui est, Seigneur, combattu par plusieurs. Oui, Seigneur, ce pays, Seigneur, qui occupe une position stratégique relative à ce drame. Oui, Seigneur, nous allons te prier, nous allons te prier, nous allons te prier pour notre pays de Gabon, nous te prions, Seigneur, pour la grâce de ta mère. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie.
toi, car tu n'as pas changé, tu n'as pas changé. Jésus Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. On va demander à la sœur Féline de rassembler nos prières pour nous d'avant. Par rapport à ce sujet, tu vas venir ici et tu vas attraper les arbres. Dieu des nations de la terre, ce matin, nous venons à toi, éternel notre Dieu, notre Père, pour te recommander le Gabon. Ta parole nous dit, Père, demande-moi les nations. Seigneur, ce matin, nous voulons demander le Gabon. Nous voulons demander notre nation, éternel notre Dieu. Alors que nous nous approchons des échéances électorales, Seigneur notre Dieu, nous demandons le Gabon, nous réclamons le Gabon à Jésus. Nous réclamons le Gabon à Jésus-Christ de Nazareth, le seul ressuscité, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, afin qu'il vienne siéger, afin qu'il vienne régner sur le trône de cette nation. Amen. Jésus vient régner dans les sphères physiques et spirituelles. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous te recommandons toutes les provinces de la nation gabonaise. Seigneur, nous te recommandons les tueurs. Nous te recommandons nos hauts-en-bois. Nous te recommandons nos moyens-en-bois. Seigneur, nous te recommandons nos gouniers. Éternel notre Dieu, nous te recommandons. Oh Dieu tout-puissant, nous te recommandons le courrier fidèle. Seigneur, jette ton regard également dans nos coins de l'eau. Seigneur, nous te recommandons ce matin encore, éternel notre Dieu, le coin maritime. Et Seigneur, nous remettons encore entre tes mains ce matin le Rolandème. Seigneur, prends le contrôle également des frontières de notre nation. Nous plongeons le Gabon dans le sang précieux de Jésus. Nous évoquons le sang précieux de Jésus sur le Gabon. Nous évoquons le sang de Jésus sur la faune et sur la flore. Au nom de Jésus, nous refusons que le Gabon soit contrôlé continuellement, Seigneur, par les sciences occultes. Nous refusons l'emprise des sciences occultes dans cette nation. Nous refusons que le Gabon soit contrôlé par les philosophies, par les sagesses païennes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous refusons que le Gabon soit contrôlé par la reine des côtes, la sirène, au nom de Jésus. Nous renversons le pouvoir du serpent, le Léviathan qui contrôle le Gabon. Nous renversons le pouvoir de l'hippopotame qui contrôle le Gabon, qui a pas les richesses des Gabonais et qui a appauvri le peuple. Oh Dieu, nous renversons le paradoxe qui existe au Gabon, un pays riche, un peuple, oh Dieu de gloire, qui vit dans la pauvreté, à notre Père éternel, nous sommes très peuplés. Nous renversons ce paradoxe qui est entretenu par les esprits méchants et nous mettons le Gabon sous ton contrôle. Dieu tout-puissant, Dieu le Dieu qui a marché devant le peuple d'Israël comme un vaillant héros. Seigneur, tu les as conduits dans le désert. Nous refusons que le désert du Gabon continue au nom de Jésus. Car ta parole déclare que les ténèbres ne régneront pas à jamais. Que tout ce qui a été desséché dans cette nation reprenne vie, que le sous-sol
Thank you.
Éternel Dieu, cette nation que tu t'es mise à part pour ta seule gloire. Seigneur, jusqu'à présent, le peuple de cette nation a l'impression que c'est l'homme qui règne dans la nation. Voici venu le temps où tu descends de par ta puissance et tu te manifestes. Seigneur, nous voulons te voir ta puissance, nous voulons voir ta volonté, nous voulons Dieu que les hommes de cette nation crient à toi et que ton règne vienne et que ton nom soit sanctifié dans cette nation. Seigneur, le Gabon est le pays le mieux au monde que tu t'es choisi pour glorifier ton nom, Seigneur. Jusqu'à présent, nous étions au plus haut. Mais Seigneur, nous allons rentrer dans la dimension du propre Seigneur. Seigneur, ton nom va régner dans la nation. Nous savons, oh Dieu, que tu vas maintenant passer à la vitesse supérieure dans cette nation. Seigneur, ce que l'homme n'a jamais vu, il va maintenant le voir dans cette nation. Seigneur, ce que l'homme n'a jamais entendu, il va maintenant l'entendre dans cette nation. C'est le monde entier qui parlera désormais du Gabon. Seigneur, nous savons que les pays comme Dubaï n'existaient pas il y a 2-3 ans. Mais tu as fait, oh Dieu, que ces pays, on parle de ces pays. Mais le Gabon passera à la vitesse supérieure. On parlera plus du Gabon que le Qatar ou que Dubaï. Le Gabon sera au sommet de tous les pays du monde entier. Seigneur, et ton nom sera glorifié. Nous avons mis toute notre confiance en toi. Seigneur, nous savons que tu ne vas pas nous décevoir. Voici venu le temps où tu vas régner en maître souverain dans cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Nous allons prier pour le bien du Gabon. Nous allons proclamer, déclarer les choses que nous voulons voir dans notre pays, ce que nous voulons voir pendant les élections. Nous voulons voir la sérénité, nous voulons voir la paix. Nous voulons voir, en fait, la main de Dieu stabiliser notre pays. Alléluia. Nous voulons voir aussi un ensemble de choses. Voir ce pays. Que le plan parfait de Dieu, quand il a suscité ce pays, que ce plan vienne à l'existence. Amen. Le programme de Dieu vienne à l'existence. Alléluia. Amen. C'est un pays où le lait est le Amen. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans ce pays. Recherchez le bien. Bien-aimés, prions
pour que des grandes écoles s'établissent dans ce pays. Amen. Que nous n'envoyons plus nos enfants attendre à l'étranger. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on veut voir dans notre pays. Bien-aimés, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les puissances des ténèbres qui prennent l'action. Vous savez, les hommes peuvent avoir des bonnes dispositions, mais si les puissances des ténèbres agissent dans l'ombre, ça freine l'action même, la bonne volonté des hommes. Alléluia. Amen. Je vais appeler ici Madame Jubilé qui va nous diriger dans cette partie de la prière. Élevons nos voix et prions pour le Gabon. Prions pour le bien du Gabon dans le roi. Recherchons le bien de la ville. Ou dans laquelle nous vivons. Nous prions. Élevons nos voix. Va, déclare. Seigneur, sois sous ton nom. Seigneur, sois sous ton nom.
nous allons prier pour tous ceux qui portent une once d'autorité dans la nation. Amen. Afin que ceux-ci soient sous le contrôle de notre Seigneur Jésus. Vous savez, il est bien beau que beaucoup, généralement, critiquent bah, soit ton bien, soit ton mal, en fait, de tous ceux qui sont élevés en dignité. Mais combien prient pour les autorités? C'est marqué que dans 1 Timothée 2, verset 1 à 3, la Bible dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Alléluia. Amen. C'est Dieu. C'est le Seigneur qui parle. Nous avons noté Proverbe 21, verset 1. Notez seulement. Ici, la Bible dit: le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline par où il veut. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline par où il veut. Donc Dieu a la capacité d'incliner le cœur du roi vers la bonté. L'incliner, en fait, vers... C'est-à-dire le cœur que Dieu a. L'Église, ne soyons pas des aveugles. Vous savez, lorsque quelqu'un occupe une position d'autorité, bien que regardez ici. Voyez, par exemple, il est élevé en fait dans l'autorité, il occupe un poste d'autorité. Tous ceux qui vont graviter autour de lui vont commencer en fait à émerger des ondes pour faire des fétiches pour que lui, il ait les regards vers, de sorte que tout ce que eux, ils lui diront, qu'il écoute. À cause de sa position, de tout ce qu'il a une position de décision, tout ce qu'il dit va s'exécuter. Donc imaginons par exemple qu'il a 20 personnes. Parmi ces 20 personnes qui sont autour de lui, certains sont dans la magie, d'autres dans la sorcellerie, d'autres dans le satanisme, et chacun envoie des énergies. Vous comprenez? S'il n'y a personne, s'il n'y a aucune église qui prie pour lui, ces forces-là, que ces gens relâchent, vont commencer à agir contre lui. Et il commencera à prendre des décisions contraires à ce qui devait être pris. Et les gens diront: mais et pourtant, il nous avait promis ceci, mais on ne voit pas pourquoi. C'est là où l'Église doit intervenir. Souvenez-vous du jeune Salomon, quand Salomon monte au trône. Les sages viennent parler à Salomon, ils disent à Salomon: ton père, voici comment ton père a agi. Toi, voici ce que nous te conseillons. Mais malheureusement, Salomon avait une classe de jeunes amis qui lui diront le contraire. Et Salomon va écouter la voix de cette jeunesse qui avait grandi avec lui. Et Salomon va orienter, va prendre des mauvaises décisions qui plus tard feront en sorte que Israël soit divisé en deux. Il y aura maintenant en fait le royaume d'Israël et le royaume de Juda. C'est pourquoi l'Église ne doit pas rentrer dans ce que j'appellerais en fait des commérages, passons à l'expression. L'Église a une puissance divine. Quand l'Église prie, je parle de l'Église de Jésus. Quand l'Église prie, l'Éternel entend. C'est
là que Dieu maintenant, s'il y a des gens, si en fait autour de lui il y a une classe d'hommes et de femmes qui prient pour lui, Dieu va commencer à incliner en fait son cœur vers des bonnes décisions qui conduiront par exemple le pays ou qui conduiront le département qu'il gère, par exemple, si il y a un ministre de la République, vers la bonne destinée. Est-ce que vous comprenez cela? Retenez ceci. Toute personne qui possède une once d'autorité devient en fait devient un instrument de sollicitation aux puissances. C'est pourquoi il est important de comprendre notre position. Alléluia. Nous allons donc prier pour ce dernier sujet. On va dire, Seigneur, que le cœur du roi, que le cœur de tout gouvernant, de tous ceux qui possèdent une onde d'autorité, que leur cœur, Seigneur, soit dans tes mains et que tu inclines leur cœur selon ta volonté. Alléluia. C'est toi qui as dit, le cœur du roi est un éternel courant d'eau dans ta main. Seigneur, incline. Et nous dirons à Dieu, incline leur cœur vers la paix. Incline leur cœur. C'est tout ce que nous voulons. Nous avons des aspirations en tant que Gabonais ou en tant que peuple vivant. On a des aspirations pour notre pays. Prions par rapport à ces aspirations. Ce que nous voulons, que ces gens, que ces personnes à qui Dieu a confié cette nation, chacun à la place où il est, puissent vraiment travailler dans la dimension que Dieu avait prévue. Élevons nos voix et prions pour les voix, prions pour ceux qui sont élevés en dignité. Prions afin que nous gagnions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Élevons nos voix et prions pour les voix. Seigneur, ce matin, nous venons dans le nom du sang de Jésus. Encore une fois, nous sommes présentés au Dieu. Nous venons des vents et dans ce pays, Seigneur. Nous venons une once de vérité, Seigneur. Oh Dieu, nous prions, Seigneur, de la paix du repos de la vie. Nous venons, Seigneur, à ce que nous venons, une réponse, à ce que nous venons, Seigneur, nous prions dans une once de vérité. Mais Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, ma foi, Seigneur, afin que le Père céleste, tu le cœur, soit entre tes mains, que la peur soit entre tes mains. Un peuple qui prie pour son pays, ce pays-là reconnaîtra cette personne, ce peuple.
Alléluia. Quand une terre, en tant que Gabonais ou peuple vivant au Gabon, quand tu pries pour ce pays, la terre du Gabon va te reconnaître. Et la terre du Gabon va te préserver. Alléluia. Et nous savons une chose, Dieu est fidèle. À un moment, on peut penser à nous, à un moment, pensons à la nation. Amen. À un moment, pensons à ceux qui dirigent ce pays. Amen. Cessons d'accuser. Laissons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu sur la terre. Le peuple de Dieu dans ce pays. Alléluia. Asseyez-vous un instant. Et je vous en prie d'être motivé pour la prière. Je vous dis, j'ai vu la grâce que j'ai, c'est que, étant converti très jeune, les années 80, j'ai vu comment la prière a épargné notre pays de bien de choses. La transition entre le parti unique et le multipartisme, ça a créé des remous dans ce pays. Les années, on s'est emmené sur la pénis par la police. Ça crée des remous. Je suis encore jeune. Regarde, on vit pas au fond de la télé. On est des gens qui ont caché dans la prière, dans la foi. On a prié pour la nation. On a prié et Dieu a épargné ce pays. À chaque échéance électorale, on a toujours prié. Prions. Nous ne cesserons pas de prier pour le Gabon. Alléluia. Nous ne cesserons pas de prier. De la même manière, vous savez, dans le monde spirituel, il y a des personnes qui vont consulter aussi leur Dieu pour voir certaines choses arriver. Mais si l'Église est à son poste, ce qui n'est pas de Dieu n'arrivera pas au Seigneur. Il n'y a que ce qui est de Dieu. Et la vie, elle est sacrée. Amen. La vie est sacrée. Donc, je constitue une interpellation pour vous dire que il est de notre responsabilité. Vous avez vu pendant pratiquement tous les deux ans que le Covid a régné sur le monde entier, on n'avait plus la raison, on ne pouvait plus se retrouver pour prier. Combien se sont refroidis? Il n'y a que les plus solides dans la foi qui ont pu résister. Mais combien se sont refroidis? C'est pour dire que la paix et la liberté, ce sont des valeurs importantes. Parce qu'avec la paix, avec la liberté, on peut travailler, chacun peut faire son petit boulot. Mais quand ces choses-là nous échappent, ça devient compliqué. Mais au nom de Jésus, nous prenons les devants pour que la grâce de Dieu soit toujours sur notre pays. Amen. Et nous restons au milieu. Parce qu'il faut qu'on soit capable de donner des conseils à toute fois, à tout bord. Amen. Je voudrais que les diacres, les apôtres viennent les faire, si je vais, on va passer rapidement à la Sainte Seine. C'est le symbole du corps de Christ. Le vin, c'est le symbole du sang de Jésus. Il y a un miracle qui a sur cette table.
C'est pourquoi il est important que vous discerniez le corps de Christ. Alléluia. Il y a un miracle. Dans ce temps, ce vin, c'est le du corps et du sang de Christ. Jésus a dit qu'à chaque fois que vous mangerez de mon pain, que vous mangerez de mon corps dans moi, que vous boirez de mon sang, faites-le en mémoire de moi. C'est-à-dire que lorsque vous vous levez pour venir prendre, physiquement c'est un morceau de pain, physiquement c'est un verre de jus de raisin, mais il faudrait que dans votre pensée, c'est-à-dire que dans votre mémoire, vous devez vous représenter que ce pain représente le corps de mon Seigneur, qui a été meurtri pour moi, déchiqueté pour mon salut. Quand vous prenez ce verre de vin, le jus de raisin, c'est un jus de raisin. Mais il faudrait que dans votre pensée, vous vous souveniez, en fait, cela symbolise le sang de Jésus qui a coulé pour mon rachat. Amen. Amen. Et c'est là que le miracle se fait. Mais si tu viens tout simplement juste prendre du pain et du jus, tu bois, sans discerner le corps derrière, en fait, l'impact spirituel, vous savez, les choses spirituelles ont souvent ou parfois des représentations. Et chaque représentation a une force et une puissance derrière. C'est pourquoi la Sainte Cène fait partie, en fait, des actes sacrés dans l'Église. Amen. Ça fait partie des actes sacrés. C'est sacré. Quelqu'un peut être malade, mais parce qu'il discerne le corps, pendant qu'il mange, pendant qu'il boit, la guérison de Jésus, qui est en Jésus, va s'éparpiller dans son corps. Alléluia. Amen. Il y a un miracle dans son. Alors je voudrais spécialement prier. Je voudrais qu'avant que vous me veniez à la table du Seigneur, je n'ai pas prévu ça, mais le Seigneur me demande de le faire. Seigneur, je ne maîtrise pas quel est le problème, quelle est la situation à travers laquelle tu passes. Mais si tu es prêt à prendre le corps de Christ, je voudrais prier pour que quand tu prendras le pain, quand tu prendras le vin, ce repas, que le miracle dont tu, auquel tu t'attends s'accroche à ta vie au nom de Jésus. Le miracle s'accroche à ta vie. Est-ce un changement de situation professionnelle? Je ne maîtrise pas, mais tu connais ton besoin. Est-ce au niveau de ton corps? Tu connais ton besoin. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un miracle. Donc, sur cette table, il y a un miracle, 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 il y a un miracle. Je vais arriver. Je sais, cher diable, que vous allez se prendre à l'étude, que le Saint-Esprit n'a pas une obligation dans les choses. Je vais arriver. Mon Seigneur et mon Dieu, il y a plus de 3000 ans, Seigneur, tu vins dans ce monde. Tu portas, Seigneur, l'iniquité, le péché de toute l'humanité. À la croix, Seigneur, ton corps fut déchiqueté. Tu connus la flagellation, Seigneur. Tout cela, c'était pour nous racheter. Racheter de l'enfer, racheter de la mort, racheter du péché. Seigneur, ce pain, autant il est découpé, est la représentation de ton corps déchiqueté. Et tu as dit, Seigneur, quiconque mangera de mon corps, mangera de ma chair, aura la vie. Que tous ceux qui vont, Seigneur, avoir accès à cette table reçoivent la vie au nom de Jésus. Seigneur, voici ce vin symbole de ton sang
ce sang par lequel, Seigneur, l'humanité tout entière fut purifiée. Et quiconque, Seigneur, met sa foi en toi, reçoit la purification et la délivrance. Seigneur, c'est pourquoi, dans le nom de Jésus, je viens bénir, Seigneur, cette table. Je bénis ce vin. Je bénis, Seigneur, ce pain. Que les vertus de la Sainte Seine, Seigneur, les vertus de la guérison, les vertus du miracle, les vertus de la vie, Seigneur, soient agissantes dans les entrailles de tous ceux qui s'approcheront, Seigneur, de cette table. Seigneur, par l'autorité spirituelle dont je suis conféré, Seigneur, dont j'ai été conféré, je relâche au nom puissant de Jésus une faveur, une bénédiction spéciale sur cette table. Au nom puissant de Jésus, qui en soit ainsi. Amen. Amen. Commençons par notre leader. Les diables et les diabolistes. Les anciens. Les diables et les diacres. Thank you.